C'est dans une maison qu'on est seul. Et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. Dans le parc, il y a des oiseaux, des chats. Mais aussi une fois un écureuil, un furet. On n'est pas seul dans un parc. Mais dans la maison, on est si seul qu'on en est égaré quelquefois. C'est maintenant que je sais y être resté 10 ans, seul. Et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir, à moi et aux autres, que j'étais l'écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s'est passé? Et comment peut-on le dire? Ce que je peux dire, c'est que la sorte de solitude de Naufle a été faite par moi. Pour moi. Et que c'est seulement dans cette maison que je suis seule. Pour écrire. Pour écrire pas comme je l'avais fait jusque-là. Mais écrire des livres encore inconnus de moi. Et jamais encore décidés par moi. Et jamais décidés par personne. Là, j'ai écrit le ravissement de Wolfenstein et le vice-consul. Puis d'autres après cela. J'ai compris que j'étais une personne seule avec mon écriture. Seule très loin de tout. Ça a duré 10 ans peut-être, je ne sais plus. J'ai rarement compté le temps passé à écrire ni le temps tout court. Le ravissement de Wolfenstein et le vice-consul, je les ai écrits là-haut, dans ma chambre, celle aux armoires bleues, hélas maintenant détruite par des jeunes maçons. Quelquefois, j'écrivais aussi ici, à cette table-là, du salon. Cette solitude des premiers livres, je l'ai gardée. Je l'ai emmenée avec moi. Mon écriture, je l'ai toujours emmenée avec moi, où que j'aille. À Paris, Trouville ou à New York. C'est à Trouville que j'ai arrêté dans la folie le devenir de Lola Wallerstein. C'est aussi à Trouville que le nom de Jan Andreas Steiner m'est apparu avec une inoubliable évidence, il y a un an. La solitude de l'écriture, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas, ou il s'émiette. Exemple de chercher quoi écrire encore. Vers son sang. Il n'est plus reconnu par l'auteur. Et avant tout, il faut que jamais il ne soit dicté à quelque secrétaire, si habile soit-elle, et jamais à ce stade-là donné à lire à un éditeur. Il faut toujours une séparation avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était que ce silence autour de soi, et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmée par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là, « Ne faites rien d'autre que ça, écrivez. » Écrire, c'était ça, la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quittée. Ma chambre, ce n'est pas un lit, ni ici, ni à Paris, ni à Trouville. C'est une certaine fenêtre, une certaine table. Des habitudes d'encre noire, de marques d'encre noire introuvables. C'est une certaine chaise. Et certaines habitudes que je retrouve toujours, où que j'aille, où que je sois. Dans les lieux mêmes où je n'écris pas. Comme les chambres d'hôtel, par exemple.
l'habitude d'avoir toujours du whisky dans ma valise, dans le cas d'insomnie, de désespoir subi. Pendant cette période-là, j'ai eu des amants. Je suis restée rarement sans du tout d'amants. Il se faisait la solitude de Naufle, et à son charme, elle leur a permis quelquefois, à leur tour, d'écrire des livres. Rarement à ses amants, je donnais mes livres à lire. Aux amants, les femmes ne doivent pas faire lire les livres qu'elles font. Quand je venais de terminer un chapitre, je le leur cachais. La chose ici vraie, quant à moi, que je me demande comment on fait ailleurs autrement, quand on est une femme et qu'on a un mari ou un amant. Cette maison, c'est le lieu de la solitude. Pourtant, elle donne sur une rue, sur une place, sur un très vieil étang, sur le groupe scolaire du village. Quand l'étang est glacé, il y a des enfants qui viennent patiner, qui m'empêchent de travailler. Je les laisse faire, ces enfants. Je les surveille. Toutes les femmes qui ont eu des enfants surveillent ces enfants-là. Désobéissants, fous. Comme tous les enfants. Mais quelle peur, chaque fois. La pire. Mais quel amour. On ne trouve pas la solitude. On l'a fait. La solitude, elle se fait seule. Je l'ai faite. Parce que j'ai décidé que c'était là que je devrais être seule. Que je serais seule pour écrire des livres. Ça s'est passé ainsi. J'ai été seule dans cette maison. Je m'y suis enfermée. J'avais peur aussi, bien sûr. Puis j'ai aimé. Cette maison, elle est devenue salle de l'écriture. Mes livres sortent de cette maison. Cette lumière aussi, du parc. De cette lumière réverbérée de l'étang. Il m'a fallu 20 ans pour écrire ça que je viens de dire là. On peut marcher dans cette maison dans toute sa longueur. Oui. On peut aussi y aller et venir. Et puis il y a le parc. Là, il y a les arbres millénaires et les arbres encore jeunes. Et il y a des mélèzes, des pommiers, un noyer, des pruniers, un cerisier. L'abricotier est mort. Devant ma chambre, il y a ce rosier fabuleux de l'homme atlantique. Un saule. Il y a aussi les cerisiers du Japon, les iris. Et sous une fenêtre du salon de musique, il y a un camélia, planté pour moi par Dionys Mascolo. J'ai d'abord meublé cette maison et puis je l'ai fait repeindre. Et puis c'est 2 ans après, peut-être, que ma vie avec elle a commencé. J'ai fini l'Olvestein ici. J'ai écrit la fin ici. Et la trouver devant la mer. Seule, non. Je n'étais pas seule. Il y avait un homme avec moi pendant cette époque-là. Mais on ne se parlait pas. Comme j'écrivais, il fallait éviter de parler des livres. Les hommes ne le supportent pas, une femme qui écrit. C'est cruel pour l'homme. C'est difficile pour tous, sauf pour Robert A. À Trouville, pourtant, il y avait la plage, la mer, des immensités de ciel, de sable. Et c'était ça, ici, la solitude. C'est à Trouville que j'ai regardé la mer jusqu'au rien. Trouville, c'est une solitude de ma vie entière. J'ai encore cette solitude-là, imprenable, autour de moi. Des fois, je ferme les portes, je coupe le téléphone, je coupe ma voix. Je ne veux plus rien. Je peux dire ce que je veux. Je ne trouverai jamais pourquoi on écrit. Et comment on n'écrit pas. Quelquefois, quand je suis seule ici, à Naufle, je reconnais des objets, comme un radiateur. Je
Je me souviens qu'il y avait une grande planche sur le radiateur et que j'étais souvent assise là, sur cette planche pour voir passer les autos. Ici, quand je suis seule, je ne joue pas du piano. Je joue pas mal, mais je joue très peu parce que je crois que je ne peux pas jouer quand je suis seule, quand il n'y a personne d'autre que moi dans la maison. C'est très difficile à supporter, parce que ça paraît avoir un sens tout à coup. Or, il n'y a que l'écriture qui a un sens dans certains cas personnels. Puisque je la manie, je la pratique. Tandis que le piano est un objet lointain, encore inaccessible, et pour moi, toujours tel. Je crois que si j'avais joué du piano en professionnel, je n'aurais pas écrit de livre. Mais je n'en suis pas sûre. Je crois aussi que c'est faux. Je crois que j'aurais écrit des livres dans tous les cas. Même dans ce cas de la musique parallèle. Des livres illisibles. Entiers, cependant. Aussi loin de toute parole que l'inconnu d'un amour sans objet. Comme celui du Christ ou de Jean-Sébastien Bach. Tous les deux d'une vertigineuse équivalence. La solitude, ça veut dire aussi ou la mort, ou le livre. Mais avant tout, ça veut dire l'alcool. Whisky, ça veut dire. J'ai jamais pu jusqu'ici, mais jamais. Vraiment. Ou alors, il faudrait que je cherche loin. Je n'ai jamais pu commencer un livre sans le terminer. Je n'ai jamais fait le livre qui ne soit pas déjà une raison d'être tandis qu'il est écrit. Et ça, quel que soit le livre, et partout, dans toutes les saisons. Cette passion, je l'ai découverte ici, dans les Yvelines, dans cette maison-ci. J'avais enfin une maison où me cacher pour écrire des livres. Je voulais vivre dans cette maison. Pourquoi y faire? Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire, me suis dit, je pourrais. J'avais déjà commencé des livres que j'avais abandonnés. J'avais oublié même mes titres. Le vice-consul, non. Je ne l'ai jamais abandonné, j'y pense souvent. À l'Helvestein, je n'y pense plus. Personne ne peut la connaître, LVS, ni vous ni moi. Et même ce que Lacan en a dit, je ne l'ai jamais tout à fait compris. J'étais abasourdie par Lacan. Et cette phrase de lui, elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit parce qu'elle se perdrait et ça serait la catastrophe. C'est devenu pour moi cette phrase comme une sorte d'identité de principe, d'un droit de dire totalement ignoré des femmes. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Être sans sujet de livre, aucun. Sans aucune idée de livre, c'est se trouver, se retrouver, devant un livre. Une immensité vide. Un livre éventuel. Devant rien, devant comme une écriture vivante et nue, comme terrible, terrible à surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu'elle a les mains vides, la tête vide, mais qu'elle ne connaît de cette aventure du livre que l'écriture sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine, avec ses règles d'or élémentaires, l'orthographe, le sens. Le vice-consul, c'est un livre que partout on a crié sans voix. Je n'aime pas cette expression, mais quand je relis le livre, je retrouve ça, quelque chose comme ça. C'est vrai. Il hurlait chaque jour, le vice-consul, mais d'un lieu pour moi secret. Comme chaque jour on prie, lui, il hurlait. C'est vrai. Il criait fort et dans les nuits de Lahore, il tirait sur les jardins de Chalimar pour tuer. N'importe qui, mais tuer. Il tuait pour tuer. Du moment
que n'importe qui, c'était l'Inde entière en état de décomposition. Il tuait pour tuer, du moment que n'importe qui, c'était l'Inde entière en état de décomposition. Il hurlait chez lui, à la résidence, et quand il était seul dans la nuit noire de Calcutta des heures, il est fou. Il est fou d'intelligence, le vice-consul. Il tue là-haut toutes les nuits. Le vice-consul, c'est celui en qui je crois. Le cri du vice-consul, la seule politique. Il a aussi été enregistré ici, à Nauphle-le-Château. C'est ici qu'il l'a appelée, elle. Ici, oui, elle. AMS, Anne-Marie Guardi. C'était elle. Et tous les gens du film pleuraient. C'était des pleurs libres, sans connaissance du sens qu'ils avaient. Inévitables et vrais pleurs, ceux des peuples de la misère. Dans la vie, il arrive un moment, et je pense que c'est fatal, auquel on ne peut pas échapper, où tout est mis en doute. Le mariage, les amis, surtout les amis du couple. Pas l'enfant. L'enfant n'est jamais mis en doute. Et ce doute grandit autour de soi. Ce doute, il est seul. Il est celui de la solitude. Il est né d'elle, de la solitude. On peut déjà nommer le mot. Je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça que je dis là. Ils se sauveraient. C'est peut-être pour cette raison que chaque homme n'est pas un écrivain. Oui, c'est ça la différence. C'est ça la vérité, rien d'autre. Le doute. Le doute, c'est écrire. Donc c'est l'écrivain aussi. Et avec l'écrivain, tout le monde écrit. On l'a toujours su. Je crois aussi que sans ce doute premier du geste vers l'écriture, il n'y a pas de solitude. Personne n'a jamais écrit à deux voix. On a pu chanter à deux voix. Faire de la musique aussi, et du tennis, mais écrire, non. Jamais. J'ai tout de suite fait des livres dits politiques. Le premier est Aban Sabana David, un de ceux qui m'est le plus cher. Je crois que c'est un détail, ça, qu'un livre soit plus ou moins difficile à mener que la vie ordinaire. Simplement, ça existe, la difficulté. Un livre est difficile à mener, vers le lecteur, dans la direction de sa lecture. Si je n'avais pas écrit, je serais devenue une incurable de l'alcool. C'est un état pratique, d'être perdu sans plus pouvoir écrire. C'est là qu'on boit. Du moment qu'on est perdu et qu'on n'a donc plus rien à écrire, à perdre, on écrit. Tandis que le livre, il est là et qu'il crie, il exige d'être terminé. On écrit, on est obligé de se mettre à son rang. C'est impossible de jeter un livre pour toujours avant qu'il ne soit tout à fait écrit. C'est-à-dire, c'est impossible de jeter un livre pour toujours avant qu'il ne soit tout à fait écrit. C'est-à-dire, seul et libre de vous qui l'avez écrit. C'est aussi insupportable qu'un crime. Je ne crois pas les gens qui disent « J'ai déchiré mon manuscrit, j'ai tout jeté. » Je n'y crois pas. Ou bien ça n'existait pas pour les autres, ce qui était écrit. Ou bien ce n'était pas un livre. Et quand ce n'est pas un livre, on le sait toujours. Quand ce ne sera jamais un livre, non, on ne le sait pas. Jamais. Quand je me couchais, je me cachais le visage. J'avais peur de moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je buvais de l'alcool avant de dormir, pour m'oublier, moi. Ça passe tout de suite dans le sang, et après on dort. C'est angoissant, la solitude alcoolique. Le cœur, oui, c'est ça. Ça bat très vite, tout à coup. Tout écrivait quand j'écrivais dans la maison. L'écriture était partout.
Et quand je voyais des amis, parfois je les reconnaissais mal. Il y a eu plusieurs années comme ça, difficiles pour moi, oui. 10 ans peut-être, ça a duré. Et quand des amis, même très chers, venaient me voir, c'était aussi terrible. Ils ne savaient rien de moi, les amis. Ils me voulaient du bien. Et ils venaient par gentillesse, croyant bien faire. Et le plus étrange, c'était que je n'en pensais rien. Ça rend sauvage, l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie. Et on la reconnaît toujours. C'est celle des forêts, celle ancienne, comme le temps. Celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose, oui. C'est pas seulement l'écriture, l'écrit. C'est l'écrit des bêtes de la nuit, ceux de tous, ceux de vous et de moi, ceux des chiens. C'est la vulgarité massive, désespérante de la société, la douleur. C'est Christ aussi, et Moïse, et les pharaons, et tous les juifs, et tous les enfants juifs. Et c'est aussi le plus violent du bonheur. Toujours, je crois ça. Cette maison de Nauvel-le-Château, je l'ai achetée avec les droits de cinéma de mon livre « Un barrage contre le Pacifique ». Elle m'appartenait. Elle était à mon nom. Cet achat a précédé la folie de l'écriture. Cette espèce de volcan. Cette espèce de volcan. Je pense que cette maison y est pour beaucoup. Elle me consolait, la maison, de toutes mes peines d'enfant. En l'achetant, j'ai su très vite que j'avais fait quelque chose d'important pour moi et de définitif. Quelque chose pour moi seule et pour mon enfant. Cela pour la première fois de ma vie. Et je m'en occupais. Et je la nettoyais. Je m'en suis beaucoup occupée. Après, quand j'ai été embarquée dans mes livres, je m'en suis occupée moins. Ça va très loin, l'écriture. Jusqu'à en finir avec. C'est quelquefois intenable. Tout prend un sens, tout à coup, par rapport à l'écrit. C'est à devenir fou. Les gens qu'on connaît, on ne les connaît plus. Et ceux qu'on ne connaît pas, on croit les avoir attendus. Et c'est sans doute simplement que j'étais déjà un peu plus que les autres gens, fatiguée de vivre. C'était un état de douleur sans souffrance. Je ne cherchais pas à me protéger des autres gens, surtout des gens qui me connaissaient. Ce n'était pas triste. C'était désespéré. J'étais embarquée dans le travail le plus difficile de ma vie. Mon amant de Lahore, écrire sa vie, écrire le vice-consul. J'ai dû mettre 3 ans à le faire, ce livre-là. Je ne pouvais pas en parler parce que la moindre intrusion dans le livre, le moindre avis objectif, aurait tout effacé de ce livre-là. Une autre écriture de moi corrigée aurait détruit l'écriture du livre et mon savoir à moi sur ce livre-là. Cette illusion qu'on a et qui est juste, d'être le seul à avoir écrit ce qu'on a écrit, que ce soit nul ou merveilleux. Et quand je lisais les critiques, la plupart du temps, j'étais sensible au fait qu'on y disait que ça ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que ça rejoignait la solitude initiale de l'auteur. Cette maison ici, à Naufle, je croyais l'avoir aussi achetée pour mes amis, les recevoir. Mais je me trompais. Je l'avais achetée pour moi. C'est maintenant seulement que je le sais et que je le dis. Quand il y avait du monde, j'étais à la fois moins seule et plus abandonnée. Cette solitude, pour l'aborder,
Il faut en passer par la nuit. Dans la nuit, imaginez Duras dans son lit, en train de dormir seul. Dans la nuit, imaginez Duras dans son lit, en train de dormir seul dans une maison de 400 mètres carrés. Quand j'allais jusqu'au bout de la maison, là-bas, vers la petite maison, j'avais peur de l'espace comme d'un piège. Je peux dire que tous les soirs, j'avais peur. Et pourtant, je n'ai jamais fait un geste pour que quelqu'un vienne habiter là. Ce n'est pas une maison de campagne ici, cette maison. On ne peut pas dire ça. C'était une ferme d'abord, avec l'étang. Et puis, ça a été la maison de campagne d'un notaire, le grand notariat parisien. Quand on m'a ouvert la porte d'entrée, j'ai vu le parc. Ça a duré quelques secondes. J'ai dit oui, que j'achetais la maison dès l'entrée franchie. Je l'ai achetée séance tenante. J'ai payé de même en espèces. Maintenant, elle est devenue une maison de toutes les saisons. Et je l'ai aussi donnée à mon fils. Elle est à nous deux. Il est aussi attaché à elle qu'à moi. Maintenant, je crois. Il a tout gardé de moi dans cette maison. Je peux encore être seule. J'ai ma table, mon lit, mon téléphone, mes tableaux, et mes livres, et des scénarios de mes films. Et quand je vais dans cette maison, mon fils en est très heureux. Ce bonheur-là de mon fils, c'est celui de ma vie maintenant. C'est curieux, un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. C'est reposant, l'écrivain, souvent. Ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit. Et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma. À l'opposé du théâtre. Et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tout. C'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu. C'est la nuit. C'est clos. C'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication. Sa séparation d'avec lui, le livre rêvé, comme l'enfant dernier, toujours le plus aimé. Un livre ouvert, c'est aussi la nuit. Je ne sais pas pourquoi ces mots que je viens de dire me font pleurer. Écrire quand même malgré le désespoir, non, avec le désespoir. Quel désespoir, je ne sais pas le nom de celui-là. Écrire à côté de ce qui précède l'écrit, c'est toujours le gâcher. Et il faut cependant accepter ça. Gâcher le ratage, c'est revenir vers un autre livre, vers un autre possible de ce même livre. Cette perdition dans la maison n'est pas du tout volontaire. Je ne disais pas « je suis enfermée ici tous les jours de l'année ». Je ne l'étais pas, ça aurait été faux de le dire. J'allais faire des courses, j'allais au café. Mais j'étais ici en même temps. Le village et la maison, c'est pareil. Et la table devant l'étang, et l'encre noire, et le papier blanc, c'est pareil. Et pour les livres, non. Tout à coup, c'est jamais pareil. Avant moi, personne dans cette maison n'avait écrit. J'ai demandé au maire, aux voisins, aux commerçants,
Jamais. Je téléphonais souvent à Versailles pour essayer de savoir le nom des gens qui avaient habité cette maison. Dans la suite, des noms des habitants et de leurs prénoms et de leur activité, il n'y avait aucun écrivain. Or, tous ces noms auraient pu être des noms d'écrivains. Tous. Mais non. C'était des fermes de famille de Parisiens. Ce que j'ai trouvé dans la terre, c'était les poubelles allemandes. La maison avait en effet été occupée par des officiers allemands. Leurs poubelles, c'était des trous dans la terre. Il y avait beaucoup de coquilles d'huîtres, des boîtes vides de denrées chères, avant tout de foie gras, de caviar, et beaucoup de vaisselle cassée. On a tout jeté. Sauf des débris de vaisselle, sans aucun doute de Sèvres, les dessins étaient intacts. Les yeux étaient du bleu innocent des yeux de certains de nos enfants. Quand un livre est fini, un livre qu'on a écrit, j'entends, on ne peut plus dire en le lisant que ce livre-là, c'est un livre que vous avez écrit. Ni quelles choses y ont été écrites. Ni dans quel désespoir ou dans quel bonheur. Celui d'une trouvaille ou bien d'une faillite de tout votre être. Parce que, à la fin, dans un livre, rien de pareil ne peut se voir. L'écriture est uniforme en quelque sorte, assagie. Rien n'arrive plus dans un tel livre, terminé et distribué. Et il rejoint l'innocence indéchiffrable de sa venue au monde. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité, c'est ça. C'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche. C'est essayer de ne pas en mourir. C'est être seul dans un abri pendant la guerre. Mais sans prière, sans Dieu, sans pensée aucune sauf ce désir fou de tuer la nation allemande jusqu'au dernier nazi. Sans Dieu, sans pensée aucune sauf ce désir fou de tuer la nation allemande jusqu'au dernier nazi. L'écriture a toujours été sans référence aucune, ou bien elle est encore comme au premier jour, sauvage, différente. Sauf les gens, les personnes qui circulent dans le livre, on ne les oublie jamais dans le travail, et jamais elles ne sont regrettées par l'auteur. Non, de cela je suis sûre. Non, l'écriture d'un livre, l'écrit. Donc c'est toujours la porte ouverte vers l'abandon. Il y a le suicide dans la solitude d'un écrivain. On est seul jusque dans sa propre solitude, toujours inconcevable, toujours dangereux. Oui. Un prix à payer pour avoir osé sortir et crier. Dans la maison, c'était au premier étage que j'écrivais, je n'écrivais pas en bas. Après, j'ai écrit au contraire dans la grande pièce centrale du rez-de-chaussée, pour être moins seule, peut-être, je ne sais plus. Et aussi pour voir le parc. Il y a ça dans le livre. La solitude y est celle du monde entier. Elle est partout. Elle a tout envahi. Je crois toujours à cet envahissement. Comme tout le monde. La solitude, c'est ce sans quoi on ne fait rien. Ce sans quoi on ne regarde plus rien. C'est une façon de penser, de raisonner. Mais avec la seule pensée quotidienne. Il y a ça aussi dans la fonction d'écrire. Et avant tout, peut-être, se dire qu'il ne faut pas se tuer tous les jours, du moment que tous les jours, on peut se tuer. C'est ça l'écriture du livre, ce n'est pas la solitude. Je parle de la solitude, mais je n'étais pas seule, puisque j'avais ce travail à mener à bien jusqu'à la clarté, ce travail de forçat, écrire le vice-consul de France à Lahore. Et il a été fait,
et traduit dans les langues du monde entier. Et il a été gardé. Et dans ce livre, le vice-consulte tire sur la lèpre, sur les lépreux, les misérables, sur les chiens. Et puis il tire sur les blancs, les gouverneurs blancs. Il tuait tout sauf elle. Celle qui, au matin d'un certain jour, s'est noyée dans le delta, le Lavalierstein, cette reine de mon enfance et de Vestal, cette femme du gouverneur de Vinland. C'était un livre très difficile à faire. Il n'y a pas de plan possible pour dire l'amplitude du malheur parce qu'il n'y avait plus rien des événements visibles qui l'auraient provoqué. Il n'y avait plus que la faim et la douleur. J'écrivais tous les matins, mais sans horaire aucun, jamais, sauf pour la cuisine. Je savais quand il fallait venir pour que ça boue ou que ça ne brûle pas. Et pour les livres, je le savais aussi, je le jure. Tout, je le jure. Je n'ai jamais menti dans un livre, ni même dans ma vie, sauf aux hommes. Jamais. Et ça parce que ma mère m'avait fait peur avec le mensonge qui tuait les enfants menteurs. Je crois que c'est ça que je reproche aux livres, en général. C'est qu'ils ne sont pas libres. On le voit à travers l'écriture. Ils sont fabriqués, ils sont organisés, réglementés, conformes, on dirait. Une fonction de révision que l'écrivain a très souvent envers lui-même. L'écrivain, alors il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire de la forme la plus courante, la plus claire et la plus inoffensive. Il y a encore des générations mortes qui font des livres plus libres. Même des jeunes, des livres charmants. Sans prolongement aucun, sans nuit, sans silence. Autrement dit, sans véritable auteur. Autrement dit, sans véritable auteur. Des livres de jour, de passe-temps, de voyage. Mais pas des livres qui s'incrustent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute vie, le lieu commun de toute pensée. Je ne sais pas ce que c'est un livre. Personne ne le sait. Je ne sais pas ce que c'est un livre. Personne ne le sait. Mais on sait quand il y en a un. Et quand il n'y a rien, on le sait, comme on sait qu'on est. Et quand il n'y a rien, on le sait comme on sait qu'on est, pas encore mort. Chaque livre, comme chaque écrivain, a un passage difficile, incontournable. Il doit prendre la décision de laisser cette erreur dans le livre pour qu'il reste un vrai livre, pas menti. La solitude, je ne sais pas encore ce qu'elle devient après. Je ne peux pas encore en parler. Ce que je crois, c'est que cette solitude, elle devient banale. À la longue, elle devient vulgaire. Et que c'est heureux. Les livres des autres, je les trouve souvent propres. Mais souvent comme relevant d'un classicisme sans risque aucun. Fatal serait le mot sans doute. Je ne sais pas. Certains écrivains sont épouvantés. Ils ont peur d'écrire. Ce qui a joué dans mon cas, c'est peut-être que je n'ai jamais eu peur de cette peur-là. J'ai fait des livres incompréhensibles et ils ont été lus. Il y en a un que j'ai lu récemment, que je n'avais pas relu depuis 30 ans, et que je trouve magnifique. Il a pour titre « La vie tranquille ». C'est un livre fait d'une traite, dans la logique banale et très sombre d'un meurtre,
Dans ce livre-là, on peut aller plus loin que le livre lui-même, que le meurtre du livre. On va, on ne sait pas où. Vers l'adoration de la sœur, sans doute. L'histoire d'amour de la sœur et du frère. Encore. Celle pour l'éternité d'un amour éblouissant, inconsidéré, puni. Nous sommes des malades de l'espoir, nous, ceux de 68. L'espoir, c'est celui que l'on met dans le rôle du prolétariat. Et nous, aucune loi, rien, ni personne, ni rien, ne nous guérira de cet espoir. Je voudrais me réinscrire au PC. Mais en même temps, je sais qu'il ne faudrait pas. Et je voudrais aussi m'adresser à la droite et l'insulter de toute ma colère. L'insulte, c'est aussi fort que l'écriture. C'est une écriture, mais adressée. J'ai insulté des gens dans mes articles, et c'est aussi assouvissant qu'écrire un beau poème. Je fais une différence radicale entre un homme de gauche et un homme de droite. Ce sont les mêmes personnes, on dirait. Dans la gauche, il y avait Bérégovoy, que personne ne remplacera. Le Bérégovoy numéro un, c'est Mitterrand, qui ne ressemble à personne non plus. Moi, je ressemble à tout le monde. Je crois que jamais personne ne s'est retourné sur moi dans la rue. Je suis la banalité. Triomphe de la banalité. Comme cette vieille dame du livre, le camion. À vivre comme ça, comme je vous dis que je vivais, dans cette solitude, à la longue, il y a des risques qu'on encourt. C'est inévitable. Dès que l'être humain est seul, il bascule dans la déraison. Je le crois. Je crois que la personne livrée à elle seule est déjà atteinte de folie parce que rien ne l'arrête dans le surgissement d'un délire personnel. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul physiquement, nulle part. On est toujours quelque part. On entend les bruits dans la cuisine, ceux de la télé ou de la radio, dans les appartements proches et dans tout l'immeuble. Surtout quand on n'a jamais demandé le silence, comme je l'ai toujours fait. Je reste souvent seule dans des endroits calmes et vides, longtemps. Et c'est dans ce silence-là, un jour, que tout à coup, j'ai vu et entendu à ras du mur, très près de moi, les dernières minutes de la vie d'une mouche ordinaire. Je me suis assise par terre pour ne pas l'effrayer. Je n'ai plus bougé. J'étais seule avec elle dans toute l'étendue de la maison. Je n'avais jamais pensé aux mouches jusque-là. Sauf sans doute pour les maudire, comme vous. J'ai été élevée comme vous dans l'horreur de cette calamité du monde entier, celle qui amenait la peste et le choléra. Je me suis approchée pour la regarder mourir. Elle voulait échapper au mur, où elle risquait d'être prisonnière du sable et du ciment qui se déposaient sur ce mur avec l'humidité du parc. J'ai regardé comment une mouche s'amourait. Ça a été long. Elle se débattait contre la mort. Ça peut être duré entre 10 et 15 minutes. Et puis ça s'est arrêté. La vie avait dû s'arrêter. Je suis restée pour voir encore. La mouche est restée contre le mur, comme je l'avais vu.
comme c'est l'est à lui. Je me trompais. Elle était encore vivante. Je me trompais. Elle était encore vivante. Et je suis encore restée là à la regarder. Dans l'espoir qu'elle allait recommencer à espérer, à vivre. Ma présence faisait cette mort plus atroce encore. Je le savais et je suis restée. Pour voir. Voir comment cette mort progressivement envahirait la mouche. Et aussi essayer de voir d'où surgissait cette mort. Du dehors, ou de l'épaisseur du mur, ou du sol. De quelle nuit elle venait? De la terre, ou du ciel, des arbres proches, ou d'un néant encore innommable, très proche peut-être, de moi peut-être, qui essayait de retrouver les trajets de la mouche en train de passer dans l'éternité. Je ne sais plus la fin. Sans doute la mouche, à bout de force, est-elle tombée. Que les pattes se sont décollées du mur et qu'elle est tombée du mur. Je ne sais plus rien, sauf que je suis partie de là. Je me suis dit, tu es en train de devenir folle. Et je suis partie de là. Quand mon ami Michel Porte est arrivé, je lui ai montré l'endroit et je lui ai dit qu'une mouche était morte là, à 3h20. Michel Porte a ri beaucoup. Elle a eu un fou rire. Elle avait raison. Je lui ai souri pour que cette histoire finisse. Mais non, elle a encore ri. Et moi, quand je vous la raconte, comme ça, dans la vérité, dans ma vérité, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qui a été vécu entre la mouche et moi, et qui ne se prête pas encore à rire. La mort d'une mouche, c'est la mort. La mort d'une mouche, c'est la mort. C'est la mort en marche vers une certaine fin du monde, qui étend le champ du sommeil dernier. On voit mourir un chien, on voit mourir un cheval, et on dit quelque chose. Par exemple, pauvre bête. Mais qu'une mouche meurt, on ne dit rien. On ne consigne rien. On ne consigne pas rien. Maintenant, c'est écrit. C'est ce genre de dérapage-là, peut-être. Je n'aime pas ce mot. Très sombre, que l'on risque d'encourir. Ce n'est pas grave, mais c'est un événement à lui seul, total, d'un sens énorme, d'un sens inaccessible et d'une étendue sans limite. J'ai pensé aux Juifs. J'ai haï l'Allemagne comme au premier jour de la guerre, de tout mon corps, de toute ma force. De même que pendant la guerre, à chaque Allemand dans la rue, je pensais à son meurtre par moi opéré, par moi inventé, perfectionné, à ce bonheur colossal d'un corps allemand par moi tué. J'ai pensé aux Juifs. J'ai haï l'Allemagne comme au premier jour de la guerre, de tout mon corps, de toute ma force. De même que pendant la guerre, à chaque Allemand dans la rue, je pensais à son meurtre par moi opéré, par moi inventé, perfectionné, à ce bonheur colossal d'un corps allemand par moi tué. C'est bien aussi si l'écrit amène à ça, à cette mouche-là, en agonie, je veux dire, écrire l'épouvante d'écrire, l'heure exacte de la mort consignée la rendait déjà inaccessible. Ça lui donnait une importance d'ordre général, disons une place précise dans la carte générale de la vie sur la terre. Cette précision de l'heure à laquelle elle était morte faisait que la mouche avait eu des funérailles secrètes. 20 ans après sa mort, la preuve en est faite ici. On parle d'elle encore. Une maison seule, ça n'existe pas comme ça. Il faut du temps autour d'elle. Des gens, des histoires, des tournants, des choses comme le mariage ou la mort de cette mouche-là,
la mort banale, celle de l'unité et du nombre à la fois, la mort planétaire, prolétaire, celle par les guerres, ces montagnes des guerres, ces montagnes des guerres de la Terre. Ce jour, celui daté d'un rendez-vous avec mon ami Michel Porte, vu par moi seul, ce jour-là, sans heure aucune, une mouche était morte. Au moment où moi je la regardais, il a été tout à coup 3h20 de l'après-midi et des poussières. Le bruit des élytres a cessé. Je voulais me sauver et je me disais en même temps qu'il me fallait regarder vers ce bruit par terre pour quand même avoir entendu une fois ce bruit de flambée de bois vert, de la mort d'une mouche ordinaire. Oui, c'est ça, cette mort de la mouche. C'est devenu ce déplacement de la littérature. On écrit sans le savoir. On écrit à regarder une mouche mourir. On a le droit de le faire. On peut aussi ne pas écrire. Oublier une mouche, seulement la regarder. Voir comme à son tour, elle se débattait d'une façon terrible et comptabilisée dans un ciel inconnu et de rien. Voilà, c'est tout. Je vais parler de rien. De rien. Toutes les maisons à Nauf sont habitées. L'hiver, plus ou moins, certes. Mais elles sont quand même habillées. Elles ne sont pas réservées à l'été, comme souvent. Elles sont toute l'année ouvertes, habitées. Ce qui compte dans cette maison de Nauf-le-Château, ce sont les fenêtres sur le parc et la route de Paris devant la maison. Celle par où passent les femmes de mes livres. J'ai beaucoup dormi là, dans cette pièce qui est devenue le salon. J'ai cru longtemps qu'une chambre à coucher, c'était conventionnel. C'est quand j'y ai travaillé qu'elle m'est devenue indispensable, comme les autres chambres, même celles vides, des étages. Ici, on se sent séparé du travail manuel. Mais contre ça, contre ce sentiment auquel il faut s'adapter, s'habituer, rien n'y fera jamais. Ce qui dominera toujours, et ça nous fait pleurer, c'est l'enfer et l'injustice du monde du travail. L'enfer des usines, les exactions du mépris, de l'injustice du patronat, de son horreur, de l'horreur du régime capitaliste, de tout le malheur qui en découle. Du droit des riches à disposer du prolétariat et d'en faire la raison même de son échec et jamais de sa réussite. Le mystère, c'est pourquoi le prolétariat accepte. Mais on est nombreux, et chaque jour davantage, à croire que ça ne peut plus durer longtemps. Que quelque chose a été atteint par nous tous. Une nouvelle lecture, peut-être, de leur texte déshonorant. Oui, c'est ça. Je n'insiste pas, je pars, mais je dis ce qui est éprouvé par tous, même si on ne sait pas le vivre. Souvent, avec la fin du travail, il vous vient le souvenir de l'injustice la plus grande. Je parle du quotidien de la vie. C'est pas le matin, c'est le soir que ça arrive jusque dans les maisons, jusqu'à nous. Et si on n'est pas comme ça, alors on n'est rien du tout. On n'est rien. Et toujours, dans tous les cas, de tous les villages, cela se sait. La délivrance, c'est quand la nuit commence à s'installer, quand le travail cesse dehors. Reste ce luxe que nous avons, nous, d'en pouvoir écrire dans la nuit. Nous pouvons écrire à n'importe quelle heure. Nous ne sommes pas sanctionnés par des ordres, des horaires, des chefs, des armes,
des amendes, des insultes, des flics, des chefs et des chefs, et des poules couveuses des fascismes de demain. La lutte du vice-consul est une lutte à la fois naïve et révolutionnaire. C'est ça, la justice majeure du temps, de tous les temps. Et si on ne pleure pas là-dessus une seule fois dans sa vie, on ne pleure sur rien. Et ne pleurer jamais, c'est ne pas vivre. Pleurer, il faut que ça ait lieu aussi. Si c'est inutile de pleurer, je crois qu'il faut quand même pleurer. Parce que le désespoir, c'est tangible. Ça reste. Le souvenir du désespoir, ça reste. Quelquefois, ça tue. Écrire. Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi. Écrire, c'est ça qui est atteint. C'est ça ou rien. On peut parler d'une maladie de l'écrit. Ce n'est pas simple ce que j'essaie de dire là. Mais je crois qu'on peut s'y retrouver, camarades. Tous les pays. Il y a une folie d'écrire qui est en soi-même, une folie d'écrire furieuse, mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie, au contraire. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire, et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. C'est même pas une réflexion, écrire. C'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser, mais c'est la plus courante aussi. L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu. C'est de l'encre. C'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Et rien de plus, sauf elle, la vie.